Peuple congolais, vous n'êtes pas seul. La Côte d'Ivoire est avec vous. Oui, toute l'Afrique entière est avec vous. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Nous vous soutenons. Oui, nous savions pourquoi. Pourquoi cette guerre ne dure. Pourquoi cette guerre dure aussi longtemps. C'est parce que la terre et le sous-sol congolais c'est la terre la plus riche du monde entier. Oui. Et l'ennemi, tant qu'il y a la guerre, l'ennemi se sert à chaque fois. L'ennemi se sert à chaque fois. Vous êtes combattus à cause de votre terre. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il faut que réellement les Congolais se prennent main dans les mains, bras dans les bras, qui se serrent les mains, afin d'éradiquer toutes ces guerres. Oui, peuple congolais, j'ai confiance à vous. Que le Dieu Tout-Puissant abrège et vous accorde la paix dans tout le Congo. Je suis avec vous. Franchement, merci beaucoup, peuple congolais. Merci, vous n'avez pas démérité. Vous avez représenté dignement. Dignement, je dis bien dignement. Le Congo. Merci, merci et merci. Merci aussi d'être venu. Merci à tous ceux-là même qui ont effectué le déplacement. Voilà, pour embellir cette canne. Merci à toutes les équipes qui ont participé. Franchement, merci. Voilà. Je tenais aussi à dire merci. Merci et vraiment merci. Mes peuples congolais, demain si je viens encore, vous croisez la Côte d'Ivoire. Si vous croisez les Ivoiriens, passez votre chemin à côté. Parce qu'on va vous gagner. Vous voyez un peu, on va vous gagner. Voilà, vous êtes avertis. Donc ouais, voilà. Je passe à autre chose. Je tenais aussi à féliciter les éléphants de Côte d'Ivoire. Franchement, vous avez été formidablement formidable. Merci à l'équipe, les 11, les 27 joueurs. Merci à tout le staff, l'encadrement. J'aimerais vous dire merci. Vous avez assuré. Et big up, applaudissez. Allez, applaudissez pour faire MS. Mon coach, you're four. You're four, coach. Applaudissez pour Guy Demel. Et applaudissez pour tous ces joueurs-là. Dames et messieurs, on reste toujours dans ce même mouvement d'humilité jusqu'à remporter notre CAN. Merci, vous m'avez écouté. Hier, on a gagné, mais on était soft, on était relax, la ville, voilà. C'est-à-dire comme si on savait déjà, on était déjà soft. Voilà. Et je remercie aussi les Ivoiriens de m'avoir écouté. Merci parce que généralement, quand il y a ce genre de victoire, les gens s'adonnent à beaucoup de situations, beaucoup d'excès, en fait. Et là, vous avez vraiment modéré et je félicite cette belle initiative. Voilà, venant de toute la population, venant de toutes nos populations. En tout cas, franchement, vous êtes comportés comme des sages. Allons directement vers cette CAN, vers cette coupe et remportons-la. Gardons notre coupe ici. J'ai la foi, j'ai foi à tous ces pachydèmes, à tous ces acteurs-là même qui œuvrent pour la bonne marche, franchement, de cette équipe nationale. Merci à tout le monde, merci à tout le monde. Franchement, merci aux joueurs. Merci, vraiment, merci. Vous qui appelez pour participer à votre vidéo-là, ne comptez pas sur moi, hein. Paye, il ne va jamais décrocher. Affaire, oui, tu ne connais pas, tu viens me parler là. Moi, il a décroché là, puis on ne sait pas là, c'est par rapport à quoi. Dans vos vidéos, vous appelez, puis on se parle en direct là. Non, je suis ton camarade. Attendez là-bas, il ne va pas décrocher. Voilà. Donc, merci à nos éléphants. Cependant, j'aimerais apporter quelques critiques. Hein. Voilà. J'ai vraiment aimé, je dis bien aimé, cette belle surprise et cette entrée. Cette entrée, ça dit Lazare. Je ne sais pas comment il s'appelle, Lazare. Vous-même, vous voyez dans une équipe, on appelle Côte d'Ivoire, il y a un gars qui s'appelle Lazare dedans. Alors que Jésus-Christ, notre souverain, a ressuscité Lazare. Donc, c'était bien évident que la Côte d'Ivoire soit ressuscitée, que la Côte d'Ivoire revienne. On a un certain Lazare dans notre groupe. Donnez-moi tout son nom là. Il s'appelle quoi? Niaoure Lazare, mais comment il s'appelle? C'est quoi? Niaoure Lazare, mais c'est quoi? Dites-moi. Il s'appelle comment? Nouveau petit là. C'est Niaoure Lazare, ou bien comment? C'est quoi son nom? Dites-moi son nom, le petit là, petit qui a joué milieu 20 minutes là. Aïe! Mais l'enfant est méchant. Il a un problème psychologique, footballistique, peut-être nerveux.
Holy. Ouais. Non, le petit est fort. Le petit est dangereux. Amani Lazare. Amani Lazare. Toi aussi, oh. Toi, un jeune, quand il y a ton nom, Amani Lazare. Ça dit Lazare. Donc, béni, tu es fort. Franchement, j'ai compris en fait que la Côte d'Ivoire, sur le plan individuel, au niveau des joueurs individuellement, tout le monde est pétri de talent. Maintenant, comment trouver la combinaison et le système tactique, le système technique pour pouvoir créer une collectivité, une équipe, une entente entre ces joueurs-là? Franchement, big up à Faï MS. Parce que tout le monde est fort. Tout le monde est dangereux. Donc, comment créer la belle formule tactique à disposition, c'est-à-dire de chaque match? Qui pouvait nous faire ça? Mais c'est bien failli. C'est bien failli. Non, Kodja. Kodja, you're prêt. You're fort. Guinemel, you're fort. You're fort. Mais je peux vous le garantir. Le Nigeria a pris la peine de se foutre de nous sur notre propre terrain. Oui. Le Nigeria s'est foutu de la Côte d'Ivoire. Et ils ont même eu la chance. Un pénalty même qui était discutable. Et ils ont gagné. Oui. On dit premier Gaou n'est pas Gaou. C'est deuxième Gaou qui est Nyata. My brother, Naja boy. If you see Côte d'Ivoire encore. If you win Côte d'Ivoire encore. Call me cuillère. If you gain Côte d'Ivoire encore, call me cuillère. Yeah. Please, call Nigeria, come. I say, if you gain Côte d'Ivoire encore, call me cuillère. You never win Ivory Coast again. No. Yeah. Nigeria. You can never win Ivory Coast again. Wallahi. I swear to God. Yeah. This final. I go beat you. Tremble. Yeah. Coming in your Batman you have. Tell him your Batman. You gonna see me. Wallahi. You understand, Nigeria? You understand? This coup it's for Ivory Coast. Yeah. If you very, very smart, leave here. Leave this cup. If you very, very smart, leave this cup. Because I'm gonna, Côte d'Ivoire gonna beat you. Yeah, parce que, c'est bon. Brother, I say, give me Dapru. If you not Dapru, you don't Dapru. Ivory Coast could beat you. Well, lie. Voilà, donc c'est ça. C'est-à-dire si ils ont compris. Vous avez gagné la première fois, non? Voilà, deuxième fois encore, tatami, face to face. Et c'est le match de caissier. C'est le match de caissou. Il dit, n'appelez pas caissier, sinon il ne va pas jouer bon ballon. Appelez-le caissou. Vous voyez ce que l'enfant en train de faire, non? Vous voyez ce que l'enfant en train de faire, non? Vous voyez ce que c'est les gens migrants en train de faire, non? Vous voyez ce que c'est qu'on en train de faire. Voilà. Kocha, pour la demi-finale, là, c'est de, Ali, la sélection, l'équipe que tu as disposée, là, faut laisser ça comme ça. Laisse ça comme ça. Oui. Où tu as mis Sengo. Il était à parler de Sengo, non, Kocha? Tu as vu ce que Sengo a fait? Tu as vu ce que Sengo a fait? Sengo est fort. Faut laisser Viela, comment il s'appelle même, Viela. C'est mon neveu. Oui. On nous sommes parentés. Moi et Serge Aurier, nous sommes parentés. Oui.
c'est mon petit frère. Mohamed est dit, Atea, Yaya, faut t'asseoir un peu. Ourie, faut t'asseoir un peu. Les cinq va commencer. Donc, Kocha, tu m'alignes le gardien à Yaya. Tu m'alignes Sengo comme latéral. Voilà. Niveau central, les centraux là, tu me mets un certain Diomandé ou soit Boli. Après, tu me mets Ndika. Quand tu finis de mettre Ndika là, tu t'en vas mettre maintenant celui qu'on appelle Ghislain Kouna. Quand tu finis à Ghislain Kouna, tu reviens au milieu. En 6, tu me gardes mon série Jean-Michel. Les 2-8 là, ils vont se couler entre eux. Série Jean-Michel est positionné. Après série Jean-Michel, tu me positionnes Seko Fofana. Après Seko Fofana, tu me positionnes Keshu. Maintenant, si Keshu ne veut pas trop, tu peux mettre petit Lazan, on ne sait jamais. Il peut, tu vois, non? Voilà, il peut aller, il peut revenir. Mais, il faut mettre Keshu d'abord. Avant de casser Keshu, quand ils seront Ouro, là. Là, maintenant, tu veux rentrer les Lazan, maintenant, les Sangari, comme ce que tu as fait. Non, il fallait être fort. Il a pensé à tout, sauf à ce schéma-là. Non, you're fort. Maintenant, sur le côté, là, petit Adengra, là, il faut mettre Adengra encore. Mais Adengra, il sait de quoi il te parle, coach. Il sait de quoi il te parle. Mais Adengra, il ne faut même pas réfléchir. Mais Adengra. Maintenant, l'autre côté là-bas, si les ailes, l'autre côté là-bas, même Mas Gradel, là, tu le remets. Tu remets même Mas Gradel. Je sais pourquoi il te dit ça. Parce que c'est un doyen. C'est lui qui a eu cette lucidité d'envoyer le centre à l'état déséquilibré. Il envoie un centre d'où même on ne sait comment ça s'est passé. Et regardez comment Dieu s'est manifesté. Allen n'a même pas eu le temps de prendre même le pied. Il a pris ça et tibia. Et plébré, c'est rentré. Et plébré, oh, coussa, coussa. Ça dit un bété centre pour un bété, puis ça marque. Oh non, les bété, you're fort. Un bété, bah. Les bété, oh, you're fort. You're fort trop. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, Allen maintenant, lui, il reste maintenant fixé. Il va absorber. Parce que le banc est riche. Le banc est riche. Donc, progressivement, on fait les remplacements. Voilà. Mais c'est des changements, en tout cas, qu'ils doivent apporter. Et cette coupe-là, on doit épuiser cette défense nigériane. Voilà. Parce que ce sera un match superbement physique. Les Nigériens ont déjà peur. Ils ont déjà peur. Nous, on n'a plus rien à perdre. Où nous, on voulait aller là. C'était en finale. Maintenant, là, eux veulent prendre la coupe. Maintenant, comment ils vont prendre la coupe là? Ils vont nous dire. Parce que c'est facile. On les gagne convenablement. C'est minimum, c'est au moins 3-0. Je vous dis, on va ridiculiser cette défense nigérienne. On va ridiculiser ça. C'est moi, je vous dis. La coupe là, ça dort ici, ça ne bouge pas. Moi, j'ai chanté ça. La coupe là, ça ne sort pas. Puis ça n'a pas sorti. Depuis le début de cette canne, il dit on va remporter et on va remporter. Coupe là, ça reste ici et on va gagner ça. Donc soyez tranquille. Nigeria ball. If you very very smart, please leave this cup. Leave this cup. Yeah, go to the home. Go to the home. Go to the home. Yeah. Go to the home. Voilà. Donc voilà. Pause publicitaire. J'aimerais vous parler, voilà, de cet institut de beauté qu'on appelle le Stallion Beauty qui est en train de monter en puissance. Voilà, ils sont situés de l'autre côté de Super U Angre Jibi. Voilà, vous pouvez venir nous faire le massage, les jeunes sauna tranquillement, les Kessa Kessia. Voilà, mon petit Stony que je passe un big up est témoin. Oui, Dre est témoin, Fior de Bia est témoin. Didibé, tout le monde est témoin. Voilà, Starline Beauty, partout en Abidjan. Voilà, je fais la pub tranquillement parce que voilà, ici, au gratuit, ici, tranquillement. Voilà, les ne payent rien. Voilà, voilà. Nous sommes gratuits, nous tous, hein, tous les artistes de Côte d'Ivoire sont gratuits ici. Donc voilà. Voilà. Donc je donne les contacts 0779 484 465. Et aussi au 0594 88 58 58. Voilà, c'est Starline Beauty Secret NL. Voilà, il y a tout ici, massage, son visage, tous les kisakis, testicules, tout, et ils font tout. Voilà, donc voilà, bref, donc je disais, merci. Maman, merci beaucoup, Rafi, et puis prends soin de toi, fais attention à toi, t'as compris. Ah, elle dit sa grand-mère même.
Moi, je l'aime. Il aime ta grand-mère aussi. Venez monter, vous allez nous donner les idées, ce qu'on doit faire pour la finale, ceux qui sont en France, ceux qui sont à Paris là, on va s'organiser, on va ce qu'on peut faire. Mais qu'est-ce que ça fait, tu t'en étais où hier là? Petit hier, c'est une ambiance, tu n'as pas du château d'eau. Ah, tu étais à château d'eau hier là? Nous on a commencé jusqu'à terminer. Mais à château d'eau là, vous regardez, match là où ça? Tu sais ce qu'on fait? On regarde à côté, hein, à côté des châteaux d'eau là, genre les châtelets, les républiques, on s'en s'assoit dans un restaurant ou bien dans un truc, on regarde. Dès que ça fait beau, on sort, on se réveille. Donc vous posez dans les restaurants à côté, voilà. Dès que c'est bon, on met dans le four, tout le monde au château. Voilà, au château tout. Hier, Brick était là-bas. Hein. Qui? Les chaînes, la Brick. On dit pas Brick, on dit Brut. On dit Brut. Mais c'est quoi le cas, mais c'est pas là le code, c'est quoi? Ah, on dit... Même ton Dieu, je suis pas là le code, c'est...